concilier l'accélération de la transition énergétique avec l'acceptabilité des projets, notamment d'énergie renouvelable, est indispensable, que ce soit pour des raisons climatiques ou même de souveraineté énergétique. Pour favoriser l'acceptabilité des projets d'ENR, le CESE formule ses préconisations autour de trois grandes nécessités structurantes. S'inscrire dans une dynamique d'aménagement du territoire qui soit lisible et partagée, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps d'un grand débat public national pour exprimer un récit collectif, où l'État joue son rôle de stratège planificateur, garant de l'intérêt général, du service public et de la justice sociale. Favoriser des concertations territoriales sur la transition énergétique au niveau d'un département ou d'un PNR qui prennent en compte la dimension énergie, climat, aussi celle du paysage, à la fois dans la dimension d'installation des énergies renouvelables, mais également de sobriété et efficacité énergétique et de puits de carbone, afin de s'approprier son destin climatique et énergétique. Définir un nouveau contrat social territorial autour d'un modèle économique équilibré et équitable, consolidant la solidarité énergétique entre les territoires et prévoyant des compensations pour les déséquilibres éventuels.